Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien, c'était les Calebas, c'était notre aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de Pokémon version éclat pourpre. Alors, souvenez-vous ce qu'on a fait dans l'épisode, hein. On est arrivé à Crossville et on avait simplement bien visité la ville. Et ensuite on s'était rendu dans un véritable la pirate, la planque Rocket. Alors les ennemis étaient au rendez-vous, les niveaux des Pokémon des ennemis étaient aussi au rendez-vous. Donc voilà. C'était un haut level qui nous attendait et on s'est arrêté en plein milieu. Hein. J'étais un peu perdu, je vous l'accorde, on s'est arrêté en plein milieu. Alors on va continuer un peu la planque, hein, en mettant Oursa Ring. Et voilà, simplement on a juste fait ça. On stocke des Pokémon dans cette planque, t'as rien à faire ici. Ok. Alors les Pokémon, on les a pas encore vus les Pokémon. Hein. Niveau 35 rat attaque. Je pense qu'un coup croix d'Oursa Ring ça va pas lui faire du bien quoi. Active cran s'il te plaît. Bon ça suffit normalement à le tuer hein, je pense. Ouais. C'est Rattata, il a pas des défenses douces non plus. Et le dernier c'est Graiena. On va faire pareil. Ok. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Machouille, et des bonnes attaques quand même. Hein. Voilà. C'est des bonnes attaques. Hein. Argue. T'as rien à faire ici, dépêche-toi de partir. Tu me donnes des ordres, toi. Je crois où là? Est-ce que toi je t'avais battu? Non. Je vais t'ouvrir le crâne au nom de la Team Rocket. Mais c'est qui serait violent le petit là. Attendez, est-ce que Audacity s'enregistre bien? Ouais, c'est bon. Un Pokémon seulement et c'est Rapace de Pic, d'accord. Niveau 36, hein. Allez, boulement. Voilà. Pardonne-moi, Giovanni. Giovanni si puissant qu'il pourrait t'écraser d'un seul doigt. Je veux bien te croire pour le moment. Je veux bien te croire. Parce que vous êtes chaud là. Alors. Voilà. Ah, je t'ai battu toi. Ouais, c'est clair, cette planque elle est. Yo! Cette planque est l'une des principales de la Team Rocket, tu n'en sortiras pas. D'accord. Stouldi. Cacturne. Allez, double pied. Et double pied, hop, voilà. J'ai pas le choix, je te laisse tranquille, estime-toi heureux. Hors de ma vue, d'accord. Les autres sbires sont faibles pour te laisser semer la pagaille contre ça. Mikalos. Wouah. Je pense qu'un éboulement il va pas kiffer hein. Galos hein. C'est peut-être même OHKO. Ah non. Comme quoi, mania, pour éviter le miss quoi. Voilà, niveau 33 peut-être. Ouais, nickel. Niveau 33 pour Nidoking. Bon Pokémon Nidoking, vous avez vu. Ah mais c'est toi le type qui nous fout des bâtons dans les roues depuis Aegipolis ça. Même avant Aegipolis d'ailleurs. Ouais, même avant Gipolis. Ouais. Depuis l'épisode 2 en fait. Sur la route avant Perchabre, si vous. Notre ennemi doit te blaser, ouais. Et si tu vous suivez l'épisode depuis le début, j'espère que vous suivez le début, tiens, il porte. C'est pour ça qu'on peut verrouiller, ok. Ah oui, c'est là qu'il faudra avoir le deuxième mot de passe pour déverrouiller la porte, d'accord. Et le truc, c'est que du coup, c'est depuis avant Perchabre, c'est depuis le début, c'est des bons abonnés, c'est depuis le début, hein.
c'est depuis ce moment-là que on dérange la Team Rocket en quelque sens. Si je cherche mes CD, c'est toi qui l'as, j'en suis sûr. Je sais pas de quoi tu parles. Nah ouais, donc c'est depuis ce moment-là, ouais. Ça fait un petit moment déjà, quand même. Un tas de morts, ouais. Alors, on va faire morsure. En espérant... Allez, roue de feu. Non, t'es KO. Non. Allez, roue de feu. Ok. Et le deuxième, c'est... Smogo. On va mettre Nidoking, ouais. Lance-flamme, ça fait du dégât quand même, hein. Mania. Aïe, aïe, aïe. Elle feinte, voilà. Il serait temps que je sois mon équipe, là, quand même. C'est bon, j'ai compris. J'ai perdu ma CD préférée, je suis dégoûté. Où est la sortie? Potion max. Ah. Là, on va faire quelque chose. Voilà. Et l'huile aussi, on va la descendre, l'huile. Voilà. Voilà. Les potions en haut. Ah, et où est la sortie, là? Au nom de ta Team Rocket, rends-toi. Ce serait plutôt au nom de la Team Rocket, hein, à moins que je... Avant que je... Non, je pense que c'est un bug. Imagine en fait ce nous chez la Team Rocket. On tourne en situation exceptionnelle. Lol. Non, je pense pas. Roue de feu. Ouais, 2 HKO quand même. Ouais. Voilà. Tu vas pas te rendre, on dirait. Effectivement. Longue vie à la Team Rocket. Ouais, ouais. Ah merde. Stop, toi tu vas pas plus loin. Ah ok, bon lui, normalement c'est avec le axe, on va l'avoir. Hein. Ah bah, t'as pas besoin du axe. Au critique. Enfin si, c'est du axe, remarque, au critique. C'est vrai, Carvana. Florizard. Mais d'où tu sors Laser Blast Rapace de pique. Poudre de dos. Poudre de dos. Allez, Bomber maintenant. 2 HKO, ce serait pas mal. Ouais, à l'aise. Ah, d'accord, il fait déjà. Tu fais mimique, ouais, c'est très intelligent. Allez, Bomber, puis tu dégages. Niveau 33 pour Florizard. Et le dernier, c'est un petit feuille. Bon, Burk, ciao. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je suis pas à la hauteur, on dirait. Effectivement. De toute façon, pense pas que tu peux t'infiltrer dans une planque de la Team Rocket et en sortir indemne. Ah. Un multi-exp. Pas mal. Allez, tour sa ring. La Team Rocket est bien organisée, tu n'es pas à la hauteur. Organisée avec un E à la fin. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après, hein, c'est difficile hein, aussi, hein, de pas faire de faute avec tous les dialogues qu'il y a eu. Mais bon. Allez, casse-toi, niveau 33, je vais blesser par peau dure. Donnez les bails. Voilà.
Allez, niveau 33 comme prévu. Ça, je commence quand même à avoir une équipe assez cool, j'aime bien. Et c'est Vipère. Allez, dans ce drapeau. Voilà, je suis paralysé, mais c'est pas grave. Allez. Oh, mais c'est sérieux. Fallait que je la chope cette paraxe, hein, comme par hasard. Et une attaque. C'est bon. Par contre, il faut vraiment que je trouve le son Pokémon là. C'est peut-être à la hauteur en fait. Je suis qu'un grain de poussière parmi toute l'organisation de la Team Rocket. D'accord, j'ai cru qu'il allait dire parmi toute la Team Rocket. Mais il a parlé un peu mieux, il a parlé avec un peu plus de swag quoi. Ah d'accord, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite, à tout de suite tout le monde. Eh bien, re tout le monde, nous voici à nouveau dans la planque. Alors, qui en premier là? On va mettre Caninos, ouais. Avec les Pokémon soignés, enfin ça fait plaisir. C'est tendu, je l'admets. Là, je t'ai battu ou pas? Ouais, je l'ai battu. Est-ce que toi, je t'ai battu? Non. Dès que je me serai occupé de toi, je lui irai te voir l'admin pour recevoir mon point de vue. Nosferatu niveau 35, on va mettre Nidoking. On les prend cher normalement. Par contre, le coup critique il passe pas là. Niveau 33 Pokémon, c'est. Le critique passe pas du tout là. Arbok. Ok, c'est au moins idéal pour passer les dèles, ça. Hop. Voilà. Mince. Comme tu dis. Je peux l'attendre en promotion, ouais. Il y a quoi ici? Je sais plus. Moi, j'ai déjà fait ça. D'accord. Toi, je te rappelle, je t'ai battu par contre. Non. Et toi, viens ici, je vais te foutre dehors à la vitesse de l'éclair. Ah, si t'avais pris James et Jesse, ça aurait été la vitesse de lumière. D'ailleurs, on les a jamais revus. On les a jamais revus. Dommage. Allez, colère. Voilà. Allez, colère. Voilà. Au moins il a tué Grotelmort. Hein. Là, il y a qui? Il y a son gogo. On va mettre Elidel. Allez, voilà. Hop. Niveau 35 pour Elidel. Ouais, il monte vite d'ailleurs. J'ai jamais cru que c'était bon. Bon, c'est pas vrai, t'es qui au juste? La porte pour accéder à la salle où l'on détient les Pokémon est verrouillée. Il te faut un mot de passe. La deuxième partie est. Ne recule devant rien. Maintenant que j'ai parlé, laisse-moi tranquille. D'accord. Je suis mon équipe, on se retrouve tout de suite tout le monde. Eh bien... tout le monde, nous voici à nouveau à la planche. Avec une équipe soignée. Donc on va passer par où du coup là? Par là peut-être. Tiens, lui, est-ce que je l'ai battu? On va mettre à ligature un petit peu. Est-ce que je t'ai battu toi? Non. Un mot de passe, quel mot de passe? C'est bon, j'ai déjà les deux parties. Hein. Papinox, allez, danse Draco. Allez, colère. Allez, résiste. Bon, Cornet ne résistera pas lui normalement. J'aurais dû en placer deux en fait. Je te promets, j'en sais rien. Je sais rien. Un mot de passe? Je suis pas assez gradé pour le connaître. T'es au courant pour le système de mot de passe en trois parties? Mais c'était pas deux normalement. Genre il y a trois parties en fait. J'espère que c'est toi qui connais le troisième mot de passe. Hein. Alors.
Arbok. Eh bien, heureux, ça y est, j'ai eu un petit problème avec ma manette. Le fil s'est enlevé. Enfin, le fil, le... Enfin, bref, je me comprends. Allez, colère. Voilà. Niveau 35 pour la ligature. C'est vraiment puissant dans ce dracon. Démolos. Il a une défense de merde, il a pas kiffé la colère. Hein. Allez, KO. Voilà. Ils ont des bons Pokémon quand même, hein, je vous l'accorde. Voilà. Ok, ok, calme-toi, je vais parler. Ah! Alors, le troisième mot de passe, c'est quoi? La dernière partie du mot de passe est pour arriver à ses fins. C'est vrai, je te jure. Ok, ok. Je crois qu'on a battu tout le monde en fait là. Je pense hein. Bon, on a battu tout le monde à mon avis. Donc faut rejoindre l'endroit où il y a le. Où il y, a la, où il y avait les trucs de mot de passe, mais c'est où en fait? Ah, c'est là. On va soigner la ligature quand même. Voilà. Et une petite potion. Voilà. Ah voilà, Lucas entre le mot de passe, la porte est déverrouillée. J'ai bien la petite musique là qui calme un peu les ardeurs, c'est marrant. Allez, un objet par contre. L'antiscope, hein, c'est quoi ça déjà? C'est pour les coups critiques, c'est ça? Ouais. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut avec tous ces Pokémon en cage? Quoi qu'il en soit, je touche au but. Ouais, c'est carrément une détention, quoi. Bon, vous savez, on les a vus, les Pokémon, là. Les là, l'admin, je pense. Je vais s'en regarder. J'espère qu'il est pas trop dur. Mais c'est quoi, ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut avec tous ces Pokémon en cage? Faut que l'ensemble je touche le but. Petit bug là, j'ai l'impression. Faudrait que je signe la mist. Ah. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? C'est une zone interdite? Réponds plutôt à ma question d'abord. Que font tous ces Pokémon en cage? Ah. Tu dois être ce gamin, grande gueule, qui a mis le bazar à la volière. On m'a dit de me méfier de toi, quelle blague! Et si cet ennemi était un faible, ne pense pas une seconde que je vais finir comme lui! L'autre aussi pensait être imbattable. De toute façon, je finirai bien par te faire dire ce que je veux savoir. Bon, tu commences à me saouler. T'as bien mérité ta tôle. Ta tôlée. Allez, c'est parti. Quatre Pokémon, ouais. Des molos, d'accord. Niveau 37. Alors, on va se placer. Feinte, ouais. Pas trop de dégâts. Ça va. Voilà. On se replace. Et après, on tape. Colère. Ah merde. Ouais. Bon, au moins, on en tue, c'est déjà ça. Mais bon. Voilà, je vais pouvoir en tuer que deux, malheureusement. Niveau 36 pour Alligator. Et le deuxième, c'est Ectoplasma qui a aucune chance. Hein. Et il est compliqué, quand même. Hein. Allez, colère. Au moins, Ectoplasma, il aurait été chiant, je suis content de le tuer. Voilà, Alligator fait un bon taf. Le troisième, c'est Scarabrut. Voilà, je suis KO. Si j'avais pas eu le axe des 30% de bombeurs, je l'aurais poussé les Scarabrut. On va mettre Nidoking, ouais. Ouais, il a séisme. Pourquoi ça m'étonne pas? Évidemment. Ah d'accord, ok, percute.
On va mettre les DL. Voilà, séisme, ça ne t'affecte pas. Voilà, il s'envole. Il va faire quoi? Éboulement, là, tous les coups. Casse-briques. Voilà. Je le savais qu'il avait l'éboulement, je le savais. Par un pigraine. Par contre là il a plus plus beaucoup là, faut faire très très gaffe. Pour Burp faut que ça fasse du dégât là. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard, désolé. Après il reste un Pokémon, va savoir lequel c'est. Oursaring. Niveau 38. Alors lui. Voilà, poudre dodo. Il est neutralisé comme ça. Ensuite, on va faire Vampigraine. Mais t'as combien de total soin en fait? On se le demande. Ils ont des bons niveaux, vous avez vu ça hein? Je suis un niveau en dessous moi. Il y a les poudres dodo. Voilà. J'ai envie de me permettre un luxe. Voilà, c'est celui-ci. Finalement, il a dormi un tour de trop. Enfin, un tour en moins. C'est ce que j'aurais prévu. Bah tant pis, hein. Allez, bon Burk. C'est trop tard. Faut pas le faire ça avant. C'est trop tard quand même. Taper Citrus ne te laissera pas récupérer assez de PV. Allez hop. Bon combat. Il y a du level, j'aime ça. Mais voilà. Je suis quand même plus fort. Et en plus, si Oursaring avait dormi plus longtemps, hein, c'est-à-dire plus qu'un tour, bah je t'aurais bousillé avec coups de proie. Impossible, j'ai perdu contre un type comme toi. Bordel, tu crois que je vais te révéler quoi que ce soit? Je me tire. Tiens, tiens. Comme par hasard, le voilà lui. Il berne peut-être mon PNJ, mais il me berne pas moi en tout cas. Timing parfait. Toi tu restes ici pour l'instant. Mais t'es qui toi encore? On va dire que je suis son coéquipier. Et ce que tu as à dire m'intéresse énormément aussi. Merci. Il allait se faire la malle avant que j'aie pu lui demander quoi que ce soit. Bon, et maintenant que t'es bien installé, tu vas nous dire ce que tu sais sur tout ce trafic. Trafic? T'es pas à la page. Pourquoi dois-je te vous raconter ça, moi? Allez, on est assez pressé. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est bien plus gros que ce que vous pensez. Récemment, le boss nous a ordonné de rassembler toutes les espèces de Pokémon. La finalité de tout ça, c'était de pouvoir faire des expérimentations génétiques pour créer de toutes pièces un nouveau Pokémon unique et surpuissant. Oh, vous avez vu ce que j'ai dit dans l'épisode 6? La Team Rocket, simplement, vous vous souvenez, dans les égouts, elle avait parlé d'un projet génétique de grande ampleur. Et vous avez vu à l'écran titre de l'épisode 1, et vous voyez aussi dans le layout, que c'est Mewtwo, le Pokémon à l'honneur dans ce jeu-là. Donc, projet génétique de grande ampleur, Mewtwo qui est mis à l'honneur, c'est à mon avis, le jeu va assister, on va assister dans le jeu à la création de Mewtwo, je pense. J'avais raison, j'en suis sûr. Je ne connais pas plus de détails, et de toute façon, ici, il y a seulement des Pokémon courants. Les plus rares sont stockés au laboratoire principal. Donc, ce que je cherche, c'est le laboratoire principal. Et où est-il ce laboratoire? Quand j'ai dit que je n'en sais pas plus, c'est que je n'en sais pas plus. Eh mince, j'y étais presque. Ne t'en fais pas, Lucas, je l'emmène pour l'interroger.
et s'il y a du nouveau, je te préviens. Ok, merci. Hein? Vous ne me laissez pas partir? Le smiley qu'ils ont mis à Miss Doll. J'y vais, on se voit plus tard, Lucas. Ça y est? C'est bon ou pas? Jerry, je veux savoir, est-ce que les sbires ont décampé ou pas? Ouais. Ouais, y'a plus personne, d'accord. Et la planque a été vidée, d'accord. Et les Pokémon aussi d'ailleurs, ça c'est bien ça. Les Pokémon pouvoir retrouver un peu leur liberté. Voilà. Bon, on y va les gens. On a fini ce qu'on avait à faire dans cette planque, voilà. C'est fini. Donc on va visiter le centre commercial, puisque la dernière fois qu'il était fermé, hein, l'arène a nouveau ouvert maintenant aussi. Donc on va visiter le centre commercial de l'arène, on le fera pas dans cet épisode-là. Désolé de vous décevoir pour ceux qui voulaient voir l'arène, mais ce sera pas dans cet épisode-là. Où est le centre commercial déjà? Je suis perdu. Où est le centre commercial déjà? Ah, elle est là. Ah bah le mec qui vendait des choses, il est parti. Il semblerait que la Team Rocket ait quitté la ville, qui est désormais plus sûre. Son cœur c'est de CrossFit. On va voir ce qu'ils vendent. Bonjour, bienvenue, le Thompson Red est crédible. Je sais anciennement, premier marge de dresseur, deuxième jeu vidéo, troisième cadeau, quatrième médicament, trois disputes. Marge de dresseur le premier. D'accord, on va voir ça. Déjà on a combien d'argent? Pas mal. D'accord, bon. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. C'était 10 puissance cachée, je m'adresse pas. Ultra laser, c'est pas mal. Tunnel, qui a combien de puissance tunnel, on sait pas. Casse-brique, ah, c'est bien ça. Draco, ok. Et désolé, j'ai touché mon nez, c'est pour ça que voilà. Casse-brique, c'est pas mal. Ouais. Pointe. Ah oui, ça m'intéresse, je comprends glace, les gens. Voilà. J'aimerais bien qu'ils vendent dans Slam, ce serait bien ça. Alors, j'utilisais l'objet que nous a donné, voilà, le Neuralizer. Alligator, s'il te plaît. Bon, on voit où les coupes, hein, bien sûr. Ça marche à la perfection, Alligator a complètement oublié les coupes. Super. Et maintenant, on va lui apprendre... Point glace. Point glace, yeah. C'est cool ça. Bonjour, je vois c'était. Ah, qu'est-ce que tu manques? Mur lumière, brune protect, retour, c'est bien ça. Et protection. Ah, pas de danse là, malheureusement, je suis déçu. Ah. Pokéball, j'en ai combien? On va reprendre 7 hein, quand même. Voilà. On va prendre une corde sortie au cas où on deux cordes sortie. Deux cordes sortie quand on serait bloqué un jour. Toujours servir et on va prendre des super repousses aussi. Voilà, 10. Voilà, voilà, c'est bien. Alors, point glace, pour l'instant je la prends qu'à Alligator. Nidoking, j'hésite, mais. Je pense pas lui reprendre point glace pour l'instant à Nidoking en fait. On verra plus tard en fait. Voilà. Mursaring, je trouve ça bizarre que Mist ne lui ait pas mis dans Slam en fait, à moins qu'il la prenne tout seul. À moins qu'il la prenne tout seul. Inquiète-toi de rappel, ouais. À moins qu'il la prenne de lui-même, mon Saring, si possible. Ouais. Yo. Ah! Ah oui! D'accord, je vais prendre une pierre feu.
Je vais pas le faire évoluer tout de suite par contre. Ah oui d'accord, ici on voit, ils vont toutes les sortes de balls, d'accord. C'est plutôt pratique. Mais je voulais dire quoi moi, oui c'est. J'attends en fait le niveau 39 pour le faire évoluer. Kainos, donc j'attends un petit peu. Voilà, au niveau 39 il évoluera. Mais pas là. Non. Les certains Pokémon sont en vente ici, plus de plus. Pourquoi là il y a un bug? C'est marrant, il y a des petits trucs comme ça que je remarque, c'est assez drôle. L'ex-accélérateur. On verra ça plus tard, pour l'instant j'en achète pas en tout cas. Et le toit. Clonage, nanana, ouais. Non, non. Et là, c'est les distributeurs, ouais. Non. Ok. Y'a pas d'ascenseur par contre, ça c'est. Oui, ok, je suis allé trop vite. Ok, faut pas que j'aille trop vite en fait, hein. Ok, c'est bon. D'accord, bon bah écoutez, y'a pas de... Qu'est-ce que je veux dire, d'ascenseur dans ce centre commercial, ok, soit. Donc du coup, on va s'arrêter ici les gens, hein, pour cet épisode où on a fini la planque roquette, où Alligator a pris Pangloss, le temps que je vous mette son Pokémon. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode, eh bien, vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, il est là. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ouais, mais elle est finie, la première fiction. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait très très plaisir, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je dis simplement qu'on se retrouve, eh bien, pour l'épisode numéro... Prochainement, ce sera l'épisode numéro 12, ouais, numéro 12. De Pokémon, tiens, il y a un petit bug là. Il disparaîtra quand j'éteindrai le jeu. Épisode numéro 12 de Pokémon avec la poupre. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Elekablebest. Ciao, bye.